premier album, Léviathan, il y a une punchline sur le temps, déjà dedans, dans le morceau Vendredi. Et ça dit, séparé par l'ondée, rendez-vous vendredi, dès lors la nuit a mis plusieurs jours à tomber. C'est punchline en alexandrin, quoi. Séparé par l'ondée, rendez-vous vendredi, dès lors la nuit a mis plusieurs jours à tomber. Sur Contretemps, mon deuxième album, il y a un moment qui parle du temps aussi et qui dit « Maintenant t'es la plus belle et maintenant c'est l'éternité ». Maintenant t'es la plus belle et maintenant c'est l'éternité. Alors c'est un album de Catherine Deneuve, écrit et produit par Gainsbourg, et il y a un morceau qui s'appelle « Souviens-toi de m'oublier ». Elle lui dit « Souviens-toi de m'oublier » et lui répond « Je vais y penser ». Souviens-toi de m'oublier, je vais y penser. Dans un morceau qui s'appelle « Mort à la poésie », débarque comme ça, il dit qu'il écrase des insectes merveilleux sur des visages d'adolescents, sur des visages adolescents, absolument consentants. Je trouve ça que c'est une bonne entrée en matière dans un morceau de musique généralement. J'écrase des insectes merveilleux sur des visages adolescents et absolument consentants. Bah, y en a une de Booba dans le morceau 3G que j'aime bien qui dit mon dernier tube dans un char tourne dans les rues de Tripoli. Donc là c'est presque un film quoi. Mon dernier single dans un char tourne dans les rues de Tripoli. C'est dans un film de 1968 de Alain René, Je t'aime, je t'aime. C'est un film de science-fiction et puis c'est une histoire tragique. D'amour ou de fin d'histoire d'amour, et c'est écrit par Jacques Sternberg. Et il se réveille comme ça, Claude se réveille, il y a de l'orage, il dit « Ah tiens, de l'orage le matin ». Et Catherine dit « Ils se lèvent tôt tous ces gens ». Et lui répond « Qui ça ?» Elle dit « Bah Dieu, les ouvriers ». Dans « Mrs. Dalloway » de Virginia Woolf, il y a un moment où elle perd la notion du temps, l'héroïne se retrouve dans ses souvenirs comme ça, et il y a le Big Ben qui sonne, et elle a ce mot pour parler de ce qui se passe en termes de sensations. Et elle dit « Les cercles de plomb se dissolvaient dans l'air ». Je trouve ça super magnifique. C'est une punchline, mais c'est aussi une image. Ouais, j'avais fait un dessin à quelqu'un, et après j'ai reçu une photo du couple. C'était fait tatouer le même dessin, chacun sur un bras. Et en m'écrivant, bref, on s'aime et c'est notre soleil dans la maison. Merci. J'ai trouvé dans les commentaires de mon morceau Brutalisme quelqu'un qui m'écrit ressaisissez-vous Flavien. Comme un bulletin de prof. Ouais, c'est exactement ce qu'il avait écrit sur mes bulletins de collège, donc ça continue. Voilà, quand on n'a jamais fini d'être mauvais élève pour certains. C'est une punchline qui vient du futur mais qui est liée au présent quoi. Et c'est la meilleure chose qu'on ait à faire, c'est d'essayer d'être heureux. Et Maddy, elle l'a dit elle-même. Maddy l'a dit elle-même. Maddy même, elle l'a dit. Merci de me trouver un partenaire. Parce que c'est ça le clip, c'est un poisson rouge qui est tout seul et du coup il fabrique un hologramme de poisson rouge. Bon, il sait pas trop que c'est pas un vrai poisson rouge peut-être, mais comme nous des fois on aime des personnes et on pense que c'est d'autres personnes quoi.